La cloche vient de sonner. Le cours est sur le point de commencer. Nous devrions aller en classe. Oui, allons-y. C'est l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons bien. Merci. Je suis contente d'entendre ça. C'est génial de vous voir de nouveau. Madame, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Certainement, il fait très chaud aujourd'hui. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour madame. Je suis désolée d'être en retard. Puis-je entrer? Oui, s'il te plaît. Tu peux aller à ta place. Je vous remercie madame. Qui peut me dire, quel jour sommes-nous? Levez les mains, s'il vous plaît. Emma, lève-toi. Nous sommes lundi. Très bien, assieds-toi. Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Eric? Aujourd'hui, c'est le lundi 15 septembre. Parle plus fort, je n'arrive pas à t'entendre. Aujourd'hui, c'est le lundi 15 septembre. Bien. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Oui, madame. Madame, je n'ai pas fait mes devoirs. Je vous demande pardon. Je ne me sentais pas bien, hier. Et j'avais mal à la tête. Ce n'est pas grave. Tu peux me remettre ton travail, demain, ou après-demain. Merci madame. Maintenant, on va commencer une nouvelle leçon. Ouvrez vos livres, à la page 25. Qui veut lire le texte? Oui, Joséphine. Il était une fois, un garçon casanier, qui n'avait pas d'amis. Il était gentil, mais lunatique aussi. Excusez-moi madame, j'ai une question. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire casanier? Casanier signifie une personne qui apprécie rester chez elle. Madame, ça veut dire quoi, lunatique? Lunatique se dit d'une personne dont l'humeur à l'égard des autres change trop souvent. Est-ce un synonyme de capricieux? Tout à fait. Bravo Audrey, c'est une excellente remarque. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Pardon madame, ma trousse vient de tomber. Ce n'est pas grave. Ramasse-la. Est-ce clair? Avez-vous d'autres questions? Non, madame. Tout est clair. Très bien. Alors, pour demain, vous allez préparer un exposé sur les métiers.
À demain. Au revoir, madame. Il est déjà midi. Allons à la cantine. As-tu apporté ton déjeuner? Oui, j'ai apporté des pâtes au thon, et toi? Moi, j'ai apporté un sandwich au fromage. Qu'est-ce que tu fais? Mange d'abord, puis fais tes devoirs. Madame a dit que tu peux les remettre demain, ou même après-demain. Oui, je sais. Mais maintenant, j'ai un travail de plus à préparer. L'exposé sur les métiers. C'est pourquoi je veux finir ce devoir pendant cette pause. Ainsi, je pourrai me concentrer sur l'autre le soir après les cours. Si tu veux, tu peux venir chez moi après les cours et nous allons préparer l'exposé ensemble. Quelle merveilleuse idée, merci beaucoup. De rien, mangeons maintenant. Cédric et Christophe. Combien de fois, je vous ai dit de ne pas jouer, au ballon dans les couloirs. C'est vraiment risqué. Vous pouvez blesser vos camarades, et vos professeurs. Pardon monsieur le directeur. Ce serait la dernière fois. Vous me l'avez promis auparavant. Aujourd'hui, vous allez être puni. Vous avez 2 heures de colle chacun. Mais monsieur... Un mot de plus, et les 2 heures de colle vont se transformer en 4. Pardon monsieur. La prochaine fois, je vais convoquer vos parents. Maintenant, à vos classes. Vite.